Ça commence bien. Coucou, je suis là pour te faire déstresser. Prends ma moulaga, bisous, t'es fort. Merci, Kala. Linkafeu. La moulaga me fait déstresser. J'aime bien. Merci pour les beats, merci beaucoup. Juste pour te dire que je kiffe tes lives, merci pour ta bonne humeur et bonne vibes. Merci beaucoup, merci Gauthier, c'est adorable. J'aime bien. Attendez, l'OST il est incroyable, je peux rester là moi. J'écoute un peu. Merci Mado. Merci Loza. Mais attendez, l'ambiance est incroyable, genre. Merci T-Rex, merci beaucoup pour les beats. Merci Camille aussi. Merci Kayagami pour le Prime. Les Heirs of Fear vous proposent une expérience unique et immersive dans laquelle tous vos choix influent sur le déroulement de l'histoire. Comme dans la vraie vie, chaque porte ouverte, chaque souvenir retrouvé, les moindres peurs que vous explorez définissent qui vous êtes. C'est notre jeu, mais c'est avant tout votre aventure. Je vais les mettre les sous-titres. Attends, je vais les mettre maintenant. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Oui, ça sera sur la chaîne de VOD, pas de panique, chat. D'ailleurs, si vous regardez ça sur la chaîne de VOD, n'hésitez pas à vous abonner et à marquer dans les commentaires « Je suis en train de regarder ça sur la chaîne de VOD ». Merci. Déjà, quand on commence dans une maison comme ça, tu sais que t'es dans la merde. Mettre les sous-titres pour les malentendants. Hop, c'est bon. L'ambiance. Les gars, vous trouvez pas l'ambiance géniale? C'est mieux que rien. Merci pour ça, merci beaucoup. Alors attendez, est-ce que je peux augmenter le champ de vision? Waouh, mais les gars, attendez, mais c'est un délire là.
j'ai cru que ça, la musique s'était arrêtée et ça allait commencer à faire peur. Je sens que ça va faire peur, putain. Sure, sir. I didn't touch the workshop, just like you asked. All through, I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Okay, guys. So, je vais vous expliquer. En gros, c'est le bordel dans la pièce, mais il faut que j'aille chercher les clés qui sont dans le bureau. Ah merde, il y a la traduction. Ah ok, bref, attendez. Ok, bon, je serai pour la prochaine fois. Bref, bah, en gros, on va aller dans le bureau, quoi. En gros. Enlève le chat. Non, je laisse pour les VOD, c'est plus agréable pour les gens qui regardent. Je sais pas pourquoi mon bureau serait là-bas. Fait tout noir. Je peux peut-être prendre la bougie. Ah non, ou allumer la lumière, ouais. Merci pour Réal. Ah non, vas-y, c'est bon. Avec une souris, je viens de projeter tout le truc qui me cale les pieds et tout à l'autre bout de la pièce. Juste à cause d'une putain de souris, je suis dans la merde. Je sais d'avance que je suis vraiment dans la merde là. Merci Davilis, merci beaucoup pour les 3 mois. Non là-bas, attends, bon, je remonte. Je vais chercher la clé dans mon bureau, c'est bon, fuck. Que tu ne penses pas pareil actuellement. Nique sa mère. Très bon choix de jeu. Bah écoute, on va voir, hein. Je sais qu'il y a... Ça, c'est le premier, et après, il y en a un autre, si jamais on aime. Pourquoi il y a du bruit là-bas ? Rebonjour. Pourquoi il y aurait du bruit dans mon bureau ? Oh bordel! Merci Rosalie pour le prime. Les gars, c'est pas trop fort le son du jeu pour vous? Que j'ai la clé pour en bas. Merci Satoru. L'ambiance du jeu est incroyable, hein. Pour ceux qui connaissent le jeu, il est bien, chat. Been working all night. Don't wake me up. J'ai travaillé toute la nuit. Ne me réveillez pas. Allez, je vous l'avais dit. Bah attends, mais je vais peut-être pas le réveiller en fait s'il dort. Ça va réveiller quelqu'un ? Y'a personne. Pourquoi ça y est ça ? Merci Cam. Y'a personne. Oh, mais y'a des problèmes là. Y'a du sang, on dirait. Merci Anto. J'ai peur de mourir d'une crise cardiaque, les gars. En live. Merci Clim. Ok. C'est beau. Bon, une chambre d'enfant. Putain, il fait une collection de poupées, c'est trop glauque. Ok, bon, c'est une chambre d'enfant avec des jouets, quoi. Merci, Cam.
Je vais aller ouvrir la porte en bas. Salut ? Y'a quelqu'un ? C'est pas moi qui est fermé. J'ose pas enlever. Caché pour une raison. Get it right this time, ça veut dire quoi? Fais ça bien cette fois, genre? Ça veut dire ça? Get it right this time? Courage, mon grand. Merci Morgane, merci beaucoup. Je suis tellement fatigué de communiquer via les messages écrits. Nous vivons dans la même maison, bon Dieu. Viens me parler quand tu as terminé, avant d'aller au lit. Ah, on a un couple en embrouille? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas trop. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Là non plus, là non plus. Enfin, rien avec quoi je puisse interagir. De l'agneau, Ah. Porte verrouillée, il y a peut-être moyen de trouver un truc pour ouvrir ça. Ok, en fait, ça se trouve, on peut fouiller les trucs quand je m'approche un peu. Ah non. Là-dedans, je mettrais bien des clés. Non. Mec, y'a rien à faire là. Genre, je comprends pas. J'ai rien à prendre. Enfin, je crois pas. Est-ce qu'il faut que je parte? Merci, Looney. Ah! Y'a un petit changement de pièce là. Petit changement d'ambiance. Merci, Eman. Je sais pas ce que c'est là. I'm just out of reach. C'est-à-dire quoi? Je suis hors d'atteinte? Je sais pas ce que ça veut dire. Merci Pauline, merci beaucoup. J'ose pas. Faut que je sorte. Ta mère, je savais qu'il allait avoir un truc, je le savais, genre. J'en étais sûr à 100%. Merci Una pour le prime, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait se passer quelque chose, je le savais, genre. Je me suis dit, faut s'approcher pour se concentrer, il y a un truc qui va passer ou quoi. Putain de merde. Oh là là. Merci Diplot, merci. Tourner en rond. Vas-y, y'a rien, ça s'est fermé, faut réouvrir direct, je pense. Oh non. Je vois rien, les gars. C'est si sombre. Je vais peut-être augmenter un peu la luminosité, hein. Un tout petit peu, comme ça. Hop. C'est mieux ou pas? Merci, Flora. Si, on peut rien y faire, on peut rien faire. Merci Poka. C'est l'un des meilleurs jeux d'horreur auquel j'ai jamais joué. Il y a même une version VR pour les courageux. Non, non, pas de ça chez moi. Ah, ok.
548. Je ne supporte pas de savoir que la plus belle œuvre d'art au monde ne porte pas mon nom. Will you marry me? Oh. Oh, oui, oui. C'est tellement bien formulé. Je m'attendais à. Je pensais que c'était juste un mec rageux, que les artistes. Qu'il y ait des artistes meilleurs que lui. En fait, non, c'est juste. Une punchline. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique, je le veux. Je le veux, chat. C'est validé. C'est bon ou pas? Attendez, je vends mes runes. J'arrête. Désolé, c'est trop tentant ce jeu. C'est trop tentant. C'est pas. J'arrête, promis, j'y joue plus. Bref, c'est bon, j'ai dit oui. Oh! Merci, Deadpool. C'est trop calme là. Quelque chose va se passer. Quelqu'un va être là? Je vais m'approcher vite. Au cas où. Ok, y'a rien. Quelque chose va se passer là, c'est pas possible. Merci Baboon. Merci beaucoup. Ça se ferme comme d'hab. Je vais... Merci Doudou, merci beaucoup. Bienvenue de nouveau. Les gars, il y a tellement de subs ce soir, qu'est-ce qui se passe par contre? La VOD, elle va être regardable, c'est la fête là, il y a tout le temps quelqu'un qui sub. On est dans l'ambiance et d'un coup on doit remercier un sub. Dans l'ambiance, on remercie un sub. Merci. Attendez, j'ai une idée. Vous allez me dire c'est une idée de génie, c'est normal, je suis un peu un génie. Si vous prévoyez de vous sub ce soir, venez, on le fait tous maintenant là. Et après comme ça on joue au jeu dans le calme. Non, je râle pas des subs, ça va, c'est une blague, je me plains pas. Je me plains pas, vous en faites pas. Mais mon idée avouée, elle est super, non? Genre, tous ceux qui prévoient de se sub ou d'offrir des subs, paf! On le fait tous d'un coup et après, on se concentre sur le jeu. C'est une top idée. Elle est tip-top. Y'a rien? Rien? Laissez-moi partir, je veux juste partir de cette maison de merde. Mec, j'ai jeté ma souris, oh là là. Non, les screamers, c'est trop de la triche, les gars. J'ai toujours dit, les screamers, c'est vraiment la peur facile. Now, a tiny bit to the left. Un peu plus sur la gauche, c'est parfait. Merci, Nunsu, merci beaucoup. Merci, D'Artagnan. Ok, il dessine très bien, cela dit. I'm not that round. Je suis pas si ronde. Je sais pas si ça veut dire ça ou pas. Je pense que oui. Merci Super Trump. Okay, laissez-moi partir. Vas-y, arrêtez les screamers là de merde. Vas-y, c'est quoi le jeu? Je vais le speedrun. C'est pas un petit jeu comme ça qui va m'intimider. Un petit poisson, c'est mieux que rien. C'est quoi ce bruit? Quelqu'un brûle dans la cheminée? Pute, non! Non, arrêtez! Oh là là, non, c'est un jeu avec que des screamers comme ça, je vais crever, moi! Non! Non, non, si c'est que ça, les gars, je vais mourir, vraiment! J'ai la chair de poule de fou! Non, mais attendez, je sais pas si vous allez voir, mais je vous jure, j'ai vu la chair de poule! Genre, ça m'a... Ah, c'est en train de partir. C'est dur! C'est de la drive. En vrai, les screamers, c'est pas drôle. C'est un comportement de merde. C'est trop facile de faire peur avec des screamers. En plus, le jeu, il s'appelle Layers of Fear. Ça veut dire que c'est genre des couches de peur. Donc ça va être, je vais avoir de plus en plus peur à chaque couche. Je sais pas si c'est ça ou pas. Mais merde, putain. Madame?
Madame, j'arrive. Tu es dans la chambre. Tu vas faire un screamer? Ok. Madame? Hello. It's about time for us to talk, don't you think? Putain, I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Ok. Je crois qu'on est dans un couple qui a des problèmes de couple, qui arrive plus à communiquer. Et j'ai l'impression que l'histoire, ça va être que quelqu'un du couple a fait une dinguerie, genre, et ça, je sais pas, il y a une malédiction là, je sais pas, il y a un bail chelou. J'ai peur d'avoir peur là, putain. Ça va faire un screamer, c'est ça? Super. Mec, y a plus aucun bruit, c'est sûr et certain. Non mais là c'est trop calme, c'est bon. Le premier pas est le plus dur. Donc là ça va être le je vais devoir faire le premier pas et ça va être dur. Allez, remettez de la musique. C'est pas drôle. C'est fermé. Il me faut une clé vite. Là c'est bon, je suis plus d'humeur. Pourquoi je joue qu'à des jeux de merde, on va me mettre dans le four. J'ai peur. J'ai peur de tout. Mais quelqu'un est dans un four là, j'en suis sûr. Ou la clé est dans le four peut-être. Le ragoût. Y'a rien, y'a rien, c'est bon. Il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est bon, stop, arrêtez avec les trucs, putain! J'ai envie de prendre le couteau. J'ai mis un coup de pied dans ma tour. Les gars, je vais crever. Sur ma fille, je vais crever. C'est trop. S'il y a des screamers toutes les secondes, moi, je tiens pas. Hein. Putain, je croise mes pieds pour essayer de pas donner de coup de pied dans ma tour. C'est pas drôle. En vrai, les trucs qui font peur, c'est... First. I'd look j'ai une toile, mais pas n'importe laquelle. J'ai fait un arrêt cardiaque. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ok, what the fuck, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un bout de peau? Mais attends, c'est pas un bout de toile, c'est un bout de peau? Non? Mais attendez, on n'est pas sur un délire où le gars, là, il prend de la peau des gens pour faire des toiles? Il se passe quoi? J'ose pas me retourner. Arrêtez. Merci de jouer pour le Prime. Les gars, j'en peux plus des screamers. J'en peux plus, genre. C'est pas possible de faire un jeu où il y a que des screamers. Monsieur. Monsieur, vous êtes là? Rêve sans forme. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Merci, Witchy, merci. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est bon. Flâneur. Succès déverrouillé.
C'est bon, je peux partir? Respire un grand coup. Souviens-toi, tu es un professionnel. Ce sont juste les premiers coups de pinceau. C'est le plus dur, ensuite tout ira mieux. Pourquoi c'est si difficile? Mais c'est quoi, j'arrivais plus à peindre, c'est quoi? Je comprends pas. Des flammes en rose. Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est des flammes en rose. J'avais pas capté, je croyais que c'était genre des trucs en sang et tout, je suis matrixé là. Par le jeu. Franchement, remettez de la musique les gars, c'est plus drôle là. C'est plus drôle du tout, remettez de la musique. Là 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 là. Allez, je prends l'ascenseur et on n'en parle plus. Hop. Allez. Ah, démarre. Comment ça marche? Ah ok. Merci Lolo. Le début du problème 1. La cage, j'ai peur. Moi aussi, on est ensemble à avoir peur. Oh mon dieu. Merci Cam. Merci beaucoup. On est 2000 à avoir peur, donc ça va, bulle de sérénité. Non, non, non. Quand on est... Là, c'est pas vous qui tenez les... Le fait de tenir les commandes, c'est le pire. On peut pas ouvrir. Attends, j'avance comme s'il allait pas avoir de screamer. Tu vois ce que je veux dire, genre... J'y vais confiant. Là, j'arrive. Paf, 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 paf. Tout est fermé. Merde. C'est un tableau, hein? Monsieur, vous êtes un tableau? Ok, top. Il va se passer une dingue. C'est bien fait, par contre, hein? C'est joli. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. En vrai, on a des bribes de leur vie de couple et j'ai vraiment l'impression que c'est l'histoire d'un couple qui est parti en couille. Et je pense que c'est l'homme qui a fait une dinguerie, genre. Genre en mode j'ai dépecé ma femme et j'ai dessiné dessus, j'ai fait une toile avec sa peau ou j'en sais, je sais pas pourquoi mais je pense que c'est un délire comme ça. Je pense vraiment. J'ai peur. Salut vite. Ok, y a rien. Les gars, c'est l'ambiance du jeu est sacrément flippante, je trouve. Hein. C'est fermé. Je vais au-dessus. Merci Kaya. Zoupé. Merci Cam. Y a quelqu'un? Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu un screamer, c'est sûr. Je vais passer à travers ou quoi? Il y a un truc. Je vais tomber dans le feu. Ok, les gars, je suis prêt. Je suis prêt à tomber dans le feu, je sais que c'est ce que le jeu veut que je fasse. Ah non. Peut-être pas. Je vais au-dessus voir. Ok, ok, le jeu veut pas que je tombe dans le feu. C'est quoi en dessous du coup? Attends, je vais essayer de bien voir. C'est juste des meubles qui crament, ok. L'ambiance me tend. Ouais, moi aussi j'ai peur. Les gars, je viens d'aller voir l'ostéo pour qu'elle me remette tout d'aplomb et là je suis tout crispé, je vais me refaire mal. Ah!
c'est pas drôle, putain. Ça fait rire personne, votre jeu de merde, là. Ok, petite souris en détente. Ça, c'est tranquille. Là-bas, c'est cassé. Il va avoir un screamer quand je vais regarder la phrase. Décide-toi. Il a pété les plombs, lui. C'est sûr. Parle, s'il te plaît, j'ai peur, les gars. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'être en vocal avec quelqu'un. Là, j'ai juste, je me chie dessus. Attends, c'était quoi là-bas? C'est quoi ça? Ok, c'est rien. Y'a quelqu'un? Madame? Enchantée. J'ai peur. Les gars, j'ai vraiment peur. Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un au fond. Allez, arrêtez les screamers. Franchement, c'est pas drôle. Ça pourrait être un truc qui fait peur, genre une ambiance, juste. Voilà. Par exemple. Y'a rien. Une... Y'a des trucs marqués, mais à l'envers. Peut-être que je passe dans le miroir. Ok. Là, ça va être à l'endroit. Impossible de l'effacer. Impossible de l'effacer, impossible de l'effacer. What the fuck? Oh, bah attends, y a une femme découpée là. Enfin, y a une femme morte sur le divan, je pense. Avec du sang absolument partout. C'est sûr, c'est ça, les gars. J'ai fait une dinguerie, j'ai tué ma femme. Depuis tout à l'heure, j'ai pas de reflet et tout, et j'ai tué ma... Je pense vraiment que j'ai tué ma femme, les gars. Je peux plus retourner. Putain, c'est sûr que c'est ça. Je vois pas la femme. Là. Dans le divan, non? Pour moi, là, ça, c'est une tête. Et ça... Ah non, putain, c'est un oreiller, en fait. C'est un oreiller, en fait. C'est un coussin. Ok, ok, my bad. Je sais pas si vous captez. Genre, de là, comme ça, vous voyez pas ce que je vois? Genre, j'ai l'impression de voir une femme allongée. Genre, on dirait que c'est fait exprès. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? On dirait une femme allongée. Vous la voyez ou... Je vois comme toi, si. On dirait vachement une femme quand même. Oui, on est d'accord, ça paraît presque fait exprès qu'elle ressemble à une femme. Je pense que c'est pour nous faire comprendre... Nous faire... C'est... Je pense que c'est nous faire comprendre subtilement. Merci Arthur, merci beaucoup. Et joue-moi un petit son. D'accord. Ah oui, c'est de niveau 2, en plus je vais te jouer un petit son, d'accord? Ça va nous remonter le moral, là, tous. Il n'y a plus de chewing-gum pour faire du bruit. Ah si. Merci pour ton sub de niveau 2, merci pour le soutien. J'ai peur, je trace. Il y a un chien qui va passer ou qui va me sauter dessus. C'est bon, c'est bon. La 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 la. Ah bah on fait moins le malin là, petit chien. Bah oui, doudou. Good boy. Bon, il y a un bon toutou. Allez. On se casse. Les gars, je speedrun. Tu veux ça aussi? Tu le veux aussi? Dégage, je me chie, hein. Vraiment, c'est horrible. Merci Konox. Je sais pas pourquoi je continue à jouer à des jeux d'horreur, je vous dis la vérité, les gars. Je pense vraiment que je vais avoir une mort prématurée. Je vais claquer en live un jour. J'espère que le jeu est pas long. Tchat, dites-moi que c'est un jeu court. Genre un jeu d'une minute. Un jeu d'une heure, grand max. C'est un jeu court?
Ah! Non, mais... Ils ont tout prévu, genre. Ils ont tout prévu. Je me retourne. Mec, j'ai intégré ma souris dans mon tapis de souris. J'ai démonté mon tapis de souris, sa mère la pute. Ça capte quand même, ouais. Le saut, mais en fait, c'est pas prévisible, genre. Tu te tournes, un truc apparaît, disparaît. Tu t'y attends pas, tu vois ce que je veux dire? C'est bien fait quand même. C'est un fauteuil roulant qui a fondu. Ok, top. J'explore tout avant d'aller là-bas. Mais stop! Putain, vos mères les putes! Oh là là! C'est quoi cette merde? Tout, c'est que de la peur facile. Les screamers, c'est pas de l'horreur, genre. C'est pas, c'est naze. Les screamers, c'est éclaté, c'est vraiment faire peur facilement. Oh super, je suis tombé une hélice. Grandis un peu. C'est bon, c'est bon. C'est pas trop, c'est nul. C'est bon, j'ai plus peur. J'ai plus peur, ça me fait plus peur. J'ai compris les mécaniques du jeu. C'est du pas, c'est un truc qui fait, qui explose. Oh là, ça y est, on a peur. C'est bon. Grandissez un peu. Grandissez un peu avec votre jeu de merde. J'ai même pas besoin d'ouvrir, c'est bon, on connaît les mécaniques. Ok, il faut ouvrir peut-être. Exceptionnellement. Ok, y a rien. Ok, j'ai pas eu peur, ok. Allez hop, laisse-moi partir, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Ok. Et je veux partir de la même d'ici. Faut juste allumer vite avant que tout s'éteigne, je pense. Il se passe quoi? Non, entrez pas. Entrez pas. Non, 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 non. Là, là, je peux pas agir. Oh, ça, il répare. T'as peur, mais je vais montrer que t'es fort. Non, non, vous savez tous ici que je suis pas fort. Allez, c'est bon, t'es parti. Là, je vais partir sortir et tu vas me faire... Qu'est-ce que t'as fait? T'as traîné qui? Allez, ça va faire peur, je vais... C'est bon, on a compris. Hop, hop, un screamer, ça fait longtemps, là. Trois pièces, screamer dans celle-là, ça va s'allumer, ça. Tac, tac, petite musique. Y a pas de CD, hop. C'est pas terrible. La porte fond. La pièce fond en fait. Merci Nzali. Merci pour ton prime. What the fuck? Bah mon ref, il se passe quoi là? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Okay. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okay, d'après il avait du sang, pourquoi? Pour peindre avec? Mais attends, mais là, on est, notre perso, il a vraiment un problème, les gars. C'est trop grave, là. Il y a une dingue dedans. Mec, là, c'est la mécanique du jeu. Ils mettent du bruit, là, pour que j'ouvre. Et là, je vais me retourner et il y aura un truc. Il y a rien. Peut-être on peut remettre le monde normal. Oh
que je trouve le bon angle pour la musique. Et putain, c'est super dur de mouliner assez longtemps. Attends. Peut-être qu'il faut que je recharge longtemps comme ça, je sais pas. Merci Charlotte pour le prime. Mais putain, je comprends pas là. Je comprends pas les gars. Merci Flambi. Mais j'ai le temps de rien faire. Les gars, c'est ça ou pas qu'il faut faire, vous pensez? Ça me casse la tête. Tourne dans le sens, je peux pas, ça fait tout le temps le même sens. Parce que oui, on dirait que le son est à l'envers, mais j'arrive pas à faire autrement. Merci beaucoup Goldfire pour le prime, et merci pour les 200 bits François, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça tourne que dans un sens, peu importe ce que je fais. Ça me paraît bien là. Mais bon, vas-y, ça m'a gavé. J'ai l'impression qu'il faut faire un truc avec ça, mais que je comprends pas quoi. Ah, à moins que en fait, non. Des prothèses, can afford a new one? Je peux pas acheter une nouvelle prothèse? C'est quoi ce truc? Shipper de prothèses, insatiable en forêt, peut pas m'en payer une autre, pourquoi la foutue jambe? Ok. What the fuck, quoi? Mais putain, c'est quoi ce jeu? Mais y'a un truc là. Ah putain! Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ok. Là, c'est bon, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, non? Il n'y a plus les sons bizarres. Peut-être que maintenant, ça va fonctionner. Eh non. Eh putain, les gars, je comprends pas, là. Là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire. Là, je peux rien faire, à part le regarder, quoi. Là, tout est fondu, on peut rien faire du tout. Mais attends. Le seul truc où je peux interagir, c'est cette merde. Là, on va mettre dans le bon sens, peut-être. Du coup. Ah, ok. Ça va défondre. Oh, ok, nice. C'est bien fait, hein. Ok, on va pouvoir reprendre la porte. Ça met très très bien. Oui, le jeu est stylé, mais ça fait vraiment peur, quoi. Et les jeux qui font peur, je n'aime pas. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, je déteste les jeux d'horreur, mais genre vraiment un truc de ouf. Attends, je ferme tout ça. Hop, je serai mieux. Je déteste vraiment les jeux d'horreur de ouf. Et bah du coup, autant dire que ça me met pas très à l'aise. D'avoir un truc avec des screamers toutes les secondes. Là, on a tout rembobiné et on a une clé en plus. À chaque fois, on met à jour le tableau, en fait. Ou c'est un nouveau tableau? Non, juste il semble comme évoluer. What the fuck, c'est quoi ça? On dirait la tête d'un oiseau un peu, mais je suis pas certain que ce soit ça. Ça fait peur. Oui, oui, ça fait peur. Exactement, Jojo. Ça fait très peur même. Est-ce que je peux partir? Forme émerge. En fait, c'est le truc qui va se révéler petit à petit, quoi, je pense.
C'est un autre bout de peau. Let's go, ça met bien. D'abord, j'ai cherché une toile. Mais pas n'importe laquelle, il me fallait un couteau. Mais pas ce pour couper les mains, il devait être aussi affûté qu'un rasoir. Ah, c'est le truc de tout à l'heure. En fait, on dirait une salle des... Ah, ok, d'accord. Ok, à chaque fois, je vais débloquer un truc et on va comprendre un peu mieux l'histoire. J'ai capté. Oh. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Mais il se bourrait la gueule ou c'est genre de la drogue à boire? Parce que il a l'air de pas être juste bourré, tu vois, comment il parle et tout, ça, il fait juste flipper en fait. Ok. Ok, petite ambiance. Ça a été réparé le truc où il y a la souris tout à l'heure. Là on peut plus passer. Ta mère la pute, mais quel jeu de merde. Ok. Ok. Merci mademoiselle Exma. Ah, attendez, pardon. J'avais peur. En fait, le train, il va avec de la... J'avais peur. Merci. De lumière. Ok. Blocage du créateur. Ça va faire peur. Ça, il va faire un truc qui va faire peur. Enfin, un truc va faire peur, là. Oh. Putain, c'est tellement bien fait, les gars. Oh, putain! Il a pas une clé? Ah, si, il a une clé. Merci, mec. À plus. C'est trop bien fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les cuts, ils sont incroyables. Hein. Le fait de tourner la tête et que le temps de tourner, tout est déjà changé, genre c'est incroyable. Ça fait peur, mais c'est trop beau. Hein. Enfin, la mécanique est magnifique, mais c'est hyper flippant. Ah, pas de porte. Pas de porte. Je veux pas passer. J'aimerais passer ici. Non. Ok. J'ai peur. Hein. Il y avait plus de lumière tout à l'heure, non? Les gars, c'était sombre comme ça tout à l'heure ou pas là? J'ai peur du bébé. Attends, je vais avec lui. Vous êtes refermé? Peut-être. Je peux pas. Et ouais, il fait sombre là. Allez, je vais où? Je suis venu, il y avait rien. Les gars. Pas drôle. Mais what the f... Mais... Non mais les gars, c'est un... Non mais... Mais what the fuck? Mais attendez, vous vous rendez compte à quel point c'était bien fait? Je suis choqué. C'est trop bien fait. Ah oui, non mais vraiment, c'est incroyable. Don't forget, oublie pas le 9.
Ok, mercredi 9, je sais pas ce que... Je sais pas ce que c'était. Wednesday, c'est mercredi, non? Enfin, je crois, il me semble, mais je suis pas sûr. Merci Tequila, c'est gentil. Merci beaucoup, j'espère que ton live s'est bien passé. Et merci Jason pour les 100 bits. Moi qui pensais que tu ne loupais aucun épisode de Koh-Lanta. Jason, je le regarderai ce soir en rentrant. Mais là, il y avait des priorités. Pour une fois que je pouvais vous faire un petit live nocturne, j'allais pas m'en priver quand même. Ta mère la pute! Putain, ce jeu! Non mais les gars, je vais niquer mon tapis de souris là! À chaque fois que je me prends en screamer, je tape ma souris. Je sais pas si vous allez voir, il y a les impacts de la souris là. Vous voyez les vieux impacts? C'est ma souris qui détruit mon tapis. Bonne soirée. C'est bon, ça casse la tête. Merci Hugo pour le sub, merci beaucoup. J'explose mon tapis de souris depuis tout à l'heure. Oh là là! En plus, Logitech, ils sont cons avec ce tapis de souris parce que quand tu l'achètes après, tu dois. Ils vendent pas la partie du dessus. Genre, tu dois re-remplacer tout ton tapis de souris, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Putain de merde de jeu. Envie d'être le tapis de souris là, bref, le qui bref. Ok. Mettez de la musique, par pitié. Là, un truc va faire peur, c'est sûr. Là, 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 là. Oh lolo. Bah dis donc. Ok, ok. Allez, c'est ouvert. Let's go, y'a rien. Top. Allez, on se casse. Crétin. Fools. Ignorant. Ingrat. Oh lolo. Idiot aveugle. Allez, hop, on va se barrer d'ici. Qu'est-ce qu'il parle? Ah ok. Je me disais il fallait interagir avec un truc là. Quand on entend parler comme ça, il y a un truc à voir. So that's where I painted, you fucking pleb. Vous avez commandé un portrait honnête. Ok, je crois que j'étais un peu nerveux. J'étais un peu nerveux. Là je me suis... j'ai tapassé un aveugle. Parce qu'il m'a demandé... Enfin quelqu'un qui m'a demandé un portrait. J'ai fait un portrait honnête et du coup ça lui a pas plu de voir à quel point il était pas beau. C'est ça? Top. Un bon petit gars, quoi. Un vaillant petit peintre. J'aimerais partir, en fait, là. Hein. De la maison. C'est ok, c'est fermé, faut descendre. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc qui fait peur. Hein. Je vais me faire baiser, là. Je le sens. Là, 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 là. Je passe en vitesse... voir le truc en bas. Hop, y'a rien. Allez, on va pas s'éterniser non plus, hein. Hop. C'est horrible le bruit. On dirait un acouphène. Oups, allez. Et le téléphone va retomber du coup. Non. C'est horrible. Oh, je suis en haut. What the fuck? Comment ça a été trop bien fait? En fait, je suis en haut. Mais c'est incroyablement stylé. Vraiment, la mécanique, elle est trop stylée du jeu. Merci Clayton pour le prime. La sonnerie aurait beau vraiment. On dirait un acouphène. Vas-y, j'ai rien à faire là. Peut-être aller dans l'autre sens. Je suis trop malin les gars. Je suis trop malin. Yes, please. Et du coup, j'entendais la conversation. Et là, j'ai remonté le temps. Là, je vais retrouver la porte, non? Je pense. Ok, visiblement non. Ah si, c'est ça. Ok. Et je peux repartir.
Mec, c'est trop bizarre. Et puis les petits warning chat. Le gars, il dit ça, ils ont eu le temps de faire leur crise d'épilepsie 16 fois. Souvenir agité. Ta mère la pute, voilà, c'est bon ou pas? Grandis un peu. Oh. C'est bon, il n'y a plus d'épileptique warning, les gars. Quelqu'un est mort et s'est fait traîner partout, là. Souvenir dérangé. C'est repassé dans le bon sens. Les gars, c'est incroyablement bien fait, par contre. Vraiment, c'est un délire. Hein. Tu ne captes aucune transition? Aucune? Battement horrible, silence, battement constant. Mange les autres rats. Mais mec, j'étais dégénéré en fait. Merci Benou pour le sub, merci énormément. C'est gentil. En fait, mon perso, il perd la tête, mais à un point qui est gravissime. Ouais, c'était sûr. Madame ? Sa mère. Salut Skyfo. Top, je vais prendre ça. Hop là. On tourne vraiment en rond, hein. On tourne vraiment, vraiment en rond. Fais peur le jeu de fou, Chouchouix. Merci pour le soutien, mon brave. Merci mille fois. Waouh, c'est long. Dans tous les cas, en qualité d'avocat, je vous conseille d'éviter toute action imprudente. En d'autres termes, ne faites rien de stupide. Nous avons encore une chance de gagner. Croyez-le ou non, j'ai tiré des clients de cas bien pires. Évitez de faire empirer la situation. Faites profil bas. Et laissez-moi faire appel au jugement du tribunal. L'assistance sociale a un faible pour vous. Nous devons pouvoir l'utiliser à notre avantage. En vous décrivant comme une victime du système, un mari en deuil, un écart de jugement temporaire, un bureaucrate trop zélé. Croyez-moi, c'est notre meilleur espoir, étant donné ce que vous avez traversé dernièrement. Je nous donne un bon 50-50 d'avoir un résultat favorable. Sauf si vous continuez d'essayer de tous les convaincre que vous êtes totalement fous. C'est terminé, les éclats de rage, les divagations, encore mieux terminer les apparences. Public, vous pourrez encore récupérer votre fille. Ok. Divorce qui s'est mal passé. Enfin non, même pas. Je pense que j'ai tué ma femme. Je vous dis ma théorie, les gars. Merci beaucoup, Mako. Merci mille fois. Je pense que j'ai tué ma femme. Que j'ai maquillé le truc en accident ou j'en sais rien. Que je plaide la folie, parce que je suis suspect. Et du coup, on m'a pris la garde de ma fille. Voilà ma théorie de chat. Un incroyable lecteur, en plus tu marques des points. On essaye, Yemi, on essaye. Rien de plus normal, ouais, je pense hein, vraiment que j'ai tué ma femme. On a trouvé un bout de peau, il expliquait qu'il avait besoin d'un couteau affûté comme un rasoir. Je pense qu'il y a une raison, quoi. J'ai été sûr qu'il allait avoir un bruit, un truc. Déjà 3 mois. Merci beaucoup, Alaskaz. Les gars, vous rincez trop, c'est abusé le nombre de subs là aujourd'hui, hein. C'est un délire. Là, j'aime autant vous dire que Thomas n'a qu'à bien se tenir. Merci beaucoup, vraiment, les gars. Merci, Luce. Attends. Je regarde vite la pièce, s'il n'y a pas un truc. Il n'y a pas d'eau. On va faire pipi. Allez, un petit screamer, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, les gars, là, que le jeu m'a pas chié dessus. Ok, la lumière a rien fait. Enfin, rien de visible, en tout cas, pour le moment. Tout est verrouillé. Ça, il y a un truc qui va faire peur, c'est sûr.
Un petit poisson, c'est mieux que. Merci Léo. Merci beaucoup. Bienvenue à Cookie Poo. Ok, ça va être que ça. Je vais me retourner. Ici. Il y aura un truc. Qui aura changé. C'est tellement angoissant. Les gars, vous pensez que je peux mourir en live ou pas? Vraie question, je vous jure, je troll zéro. Vous pensez que c'est possible de faire un arrêt cardiaque lié à un sursaut ou pas? Genre à mon âge et tout, tu vois, je sais qu'à 80 balais, c'est possible. Ouais, vraiment. Les gars, si je fais un arrêt cardiaque... Vous regardez qui est en live, vous prévenez tout le monde, vous dites vite, un cas il fait un arrêt cardiaque et quelqu'un appelle les flics ou quoi, j'en sais rien, ou les, enfin le SAMU, vous trouvez une solution, hein. Vous trouvez une solution, vous tapez sur Google où est le lot et vous appelez les trucs, vous lui dites venez vite, vous me trouvez une solution, hein, s'il vous plaît, si je fais un arrêt cardiaque, je compte sur vous. Vous me laissez pas en plan comme ça, à vous taper des barres parce que je suis allongé par terre. Ok, top. Effroi suspendu, patience sensu, poilu, peur de lever les yeux. Je peux pas regarder. J'ai trop peur. What the fuck? Oh! Mais mec. C'est vrai que je pourrais prendre le truc pour voir le rythme cardiaque en live. J'essaierai de le setup pour le prochain live horror chat. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux pas passer normalement et où je peux passer parce que les trucs sont en l'air? Je vois pas de passage. Ouf. Putain. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. What the fuck? Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Mais les gars, en fait, c'est sûr que c'est ça. Hein. J'ai tué ma femme et j'ai utilisé les différentes parties de son corps pour créer une œuvre d'art glauque. En gros, je pense vraiment que la peinture qu'on regarde à chaque fois qu'on va dans la salle là où il y a des morceaux de trucs. Enfin, tu sais, des morceaux d'histoire. Je pense vraiment que c'est des morceaux de ma femme, en fait. Genre, les flamants roses qu'on voit sont peints avec ma femme. C'est top. C'est tip top. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Ok, merci Cécile, ça me fait plaisir que vous puissiez prévenir Thomas si jamais j'ai un problème. Ça me rassure. Et ça va mettre à jour la peinture. Appel Thomas Actuan. Les gars, quand je dis à ma voiture d'appeler Actuan, ça fait... J'appelle Actuan, Actuan, ça fait bugger la voiture. Voilà, c'est une petite info. Oui, Arnaud ? Thomas, quand tu coupes ton live, si tu pars, tu viens me dire au revoir. Pourquoi ? Pas comme la dernière fois, parce que si tu pars, j'arrête aussi. J'ai trop peur de mon jeu. Comment ça, t'as trop peur ? Le jeu d'horreur fait trop peur. J'ai peur de faire un arrêt cardiaque en live et j'ai envie que si tu quittes ton live, je veux partir avec toi. J'ai peur qu'il y ait des gens... En fait, j'ai peur de faire un arrêt cardiaque et qu'il n'y ait plus personne à prévenir au lot. Mais ouais, ça va le Marseillais.
Thomas, tu viens me dire si tu pars, d'accord? Oui. Pour une fois. D'habitude, tu me dis même pas au revoir quand tu pars. Parce que je pars tout le temps après toi. La dernière fois, t'es parti avant moi, tu ne m'as pas dit au revoir. Ça t'est arrivé une seule fois. Bah, j'étais très triste, c'était la fois de trop. Ok. Bon, Thomas, tu viens... D'accord, si tu pars, tu viens me dire, s'il te plaît. Je viendrai te chercher, oui. Merci, Thomas. Bisous. Bisous. Ok, c'est bon. Je vais pas mourir aujourd'hui dans le chat. Là, mon dessin, il a évolué d'une façon un peu chelou. Je comprends pas trop ce que c'est. On dirait... Je sais pas, je comprends pas. Et si je suis échoue? J'ai plus peur. Ah, j'ai repeur. C'est quoi cette merde? Madame! Vous êtes la dame avec la chair? La peinture? Hop. Là. Je vais vous laisser là. Bonne continuation. Ok, j'aime bien la déco. Ah, here we go again. Égoïste. Il se passe quoi là? Oh, il n'y a plus les portes. Oh là là, il tue un cheval. Oh, bah tiens. Le jeu est incroyable, les gars, par contre, hein, vraiment, c'est... Ah, et là, ça doit être un chapitre sur ma fille. Mais c'est sublime, en fait. J'ai peur, mais c'est vraiment sublime. Salut, petit nounours, tu vas me sauter dessus, c'est ça? Hein? Pas vrai? Non? Ok. Ok. Ok, ok. Oh, sa mère. Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Laissez-moi partir de cet enfer, putain. Merci Lazutri pour le prime, merci beaucoup. Bienvenue! J'ai peur, Lazu! Ah! Oh putain de ta mère là! Putain, je me suis chié dessus. Un peu de souris, de points rouges foncés, les poils, pas à moi. Où sont les ciseaux? C'est Ratatouille en version hardcore là. Super bien fait, putain, c'est trop glauque. J'en profite pour regarder s'il y a un truc caché avant d'avancer. Ça a rajouté une dame là? J'ai eu l'impression. Mais je suis pas sûr. J'ai eu l'impression qu'elle est allée. Oh. Ah ouais, et là on peut jouer là, ça y est. Il doit falloir aller là-bas. Madame, pleurez pas. Putain. Ça fait peur, cette merde. Là, il va y avoir un truc qui fait peur. Là, c'est maintenant. Il faut que je parle un peu pour moins sursauter.
Je sens que là, c'est un moment flippant, là. Ok. Ok, ok, ok. Là, 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 là. C'est la même pièce à chaque fois. Putain, les gars, ouais. C'est tellement beau. J'ai peur. J'ai peur, mais c'est superbe. Est-ce que ça va évoluer à chaque fois que je change de pièce? Non. Oh putain, lola, non mais... J'ai encore mis un coup de pied dans ma tour. Les gars, je vais péter mon ordi, là. Ça fait 16 fois que je tabasse ma tour à grand coup de pied. De là. Ils font peur ces bébés de merde là. Il y en a partout, c'est quoi ce bordel? Ok, ok, ok. Mec, c'est là-bas qu'il faut aller, hein. Attends. D'habitude, quand il y a un truc à trouver, il y a de la musique autour. Il va bouger, ce fils de pute. J'enlève mon tapis de souris, je vais trop l'abîmer, je vais... Faut que je tapite... Enfin, je vais utiliser le tapis. Petit bébé, pas bien. Putain, mais c'est tellement bien fait. Oh, ma fille, viens voir papa. Oh là là. Viens là. Arrête. Je la laisse partir. C'est moi, elle m'a saoulé. Oh, oh, oh putain. Ça va? Tu t'es pris le mur! Ma doudou, il faut regarder où on court! Qu'est-ce que tu fais? Bah oui! Ça fait mal! Bah. Attends, je repars par là, j'ai envie de le revoir. Bram! Eh bien alors? Ok, faut trouver le chemin, c'est un genre de labyrinthe de bébé. Oh là là, les petits bébés bien glauques là. C'est trop bien fait, les gars, c'est trop trop bien fait. Vraiment, c'est incroyable, hein. Oh là là. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Merci Léo, merci beaucoup. Bienvenue à Axil. Et... Top, 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 petite ambiance. Oh non! Ça va me sauter dessus cette merde là. Mais what the fuck? Merci Clara. Attends, je vais essayer de prendre du recul. Genre de jouer un peu allongé, tu sais, un peu détendu comme ça. Oh, je sens que je suis plus serein là. Chat. Chat, chat. Je suis plus serein. J'ai plus peur. J'ai plus peur de rien. Hop, regardez.
Y'a un truc à ramasser là, non? Quand ça fait ça, y'a pas un truc à prendre d'habitude, chat? Les vieilles poupées, ça fait vraiment peur, hein. Mec, y'a un truc là. Ok. Ow! What is this crap? Oh, I'm sorry, princess. No, don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Ok, top. Top, bon petit papa. Oh! Ok, j'ai cru que j'étais enfermé dans le placard. J'avais un peu la flemme. Genre les placards avec 2000 poupées, bah bof quoi. I had the most beautiful dream last night. Oh, ma mère, elle avait un truc comme ça. Ah non, c'est ma grand-mère qui avait un truc comme ça il y a longtemps. Loved me, pour vaporiser du parfum. C'est stylé un peu, c'est classe. We both know that while I dreamed my silly little dream, surtout les deux pendant que j'étais dans mes petits rêves. It was you he really lusted for. What? Genre je rêvais d'une autre meuf ou c'est quoi le bail là? Oh bébé. Bah ouais, tu dessines vite là, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu dessines des trucs glauques là mon amour. Ah ouais, mais désolé de te vexer, mais ça fait peur hein. C'est quoi ça? Y'a un T-Rex ou quoi là? C'est quoi cette merde? Ça va faire peur. La 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 la. Attends, c'est quoi cette merde là? La 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 la. Waouh, c'est tellement beau. Faut une clé pour la boîte à musique. Il va y avoir une dinguerie là. Ok, so far so good. Oh, il y a le train live, j'ai entendu. Bébé qui se fait un délire. Ok, what the fuck. Merci Claude, merci beaucoup. Chute mon bébé, la nuit est sombre. L'étoile fuit, la chambre plonge dans l'ombre. Sa mère. Maman avant venait te border. Mais maintenant, je l'ai dépecée. Ça va être ça? Ah non. Maintenant, elle s'en est allée. Oh, c'est presque pareil, hein. Mais il fait rien, ça me fait encore plus peur.
La chambre est jolie, hein, nonobstant. Très très belle. J'aime bien. Il se passe rien en fait. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? J'ai peint avec ses cheveux. Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Merci Manon pour les 17 mois, merci beaucoup. Tout est glauque, chat. Oh putain, bah ouais. Allez, on se casse de là. On va retomber dans la pièce avec les peintures. Et ouais, c'était sûr. Oh bordel. Et là maintenant ça va s'ouvrir. Ah non, faut d'abord qu'on peigne. Et tu vas voir qu'à la fin, le dessin, ça va être un portrait de ma femme que j'ai tuée, hein. C'est sûr. Possession maman. C'est vrai que moi, j'ai le tabère la pute un peu facile, hein. Et ouais, il y a les cheveux. Il m'en reste encore deux. Les gars, je speedrun. C'est bon, je speedrun. Marre. Juste marre, là. Mec, c'est trop bien fait, c'est incroyable. Qu'est-ce qui va apparaître encore ? Mais il se passe rien, genre, je comprends pas. Les pièces qui changent en cours de jeu, c'est vraiment bien. Ouais, c'est incroyablement stylé. J'ai peur. C'est plus stylé, hein. Je vais rester là près de la lumière. Oh, sa race. On tourne en rond, quoi. Ça va faire peur. La 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 la. Ok, on continue. La 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 la. Je caca. J'ai peur. Make up your mind. Ça veut dire décide-toi. Je viens d'apprendre quelque chose, chat. J'espère que vous aussi. Ok, je peux interagir avec rien ici. C'est reparti avec cette histoire de rat. Je ne crois pas en avoir vu un seul, mais il pose quand même des pièges partout dans la maison. Il dit qu'il les entend dans les murs et qu'ils sont des centaines. Mon Dieu, j'espère que c'est vrai. J'espère qu'ils vont ramper jusque toi et te bouffer dans ton sommeil. Toi, cruel narcissique, pathétique ivrogne. Ah oui, putain, elle avait un peu le seum contre moi, ma femme. Après, je l'ai tuée, donc elle avait sûrement raison d'avoir le seum contre moi. Je veux dire, j'étais peut-être pas si clean que ça pour finir. Enfin, je pense, hein. Je peux me tromper de chat, mais je pense. Chérie, ça va? Je sais que tu vas me faire peur. Merci de la campagne. Je le savais. J'ai même pas eu peur. Par contre, j'ai eu des frissons.
tellement violent. J'ai eu des giga frissons, mais j'ai pas crié. Donc du coup, je suis content. C'est déjà bien pour moi de pas crier, chat. J'ai vu une clé. Ah ok, je la voyais plus. Ok. Il y a en effet des rats, hein. J'avais raison, il y a des rats dans les murs. Enfin, en tout cas, dans ma tête, il y a des rats dans les murs. Ok, c'est bon, j'ai plus peur. Là, le jeu, il me fait ni chaud ni froid, chat. Regarde. J'avance en détente, je sais qu'il y a des trucs qui font peur de temps en temps, c'est pas grave. J'y suis préparé. Hop, il me faut une clé, je regarde un peu partout où elle est. Je sais pas où elle est. Hop. Il n'y a pas de clé. C'est la merde, c'est pas grave, je fais demi-tour. Et voilà, vous voyez comment je suis à l'aise un peu, chat? C'est comme ça qu'on appréhende les jeux d'horreur. Avec courage et panache. Voilà, la clé, elle doit être par là. Je l'ai oublié tout à l'heure, je pense. Ok, il n'y a pas de clé. Merde. Merde, alors, elle est où l'autre clé? Ok, c'est des pièges à rats, en fait. C'est un chapitre sur les rats ou les souris, je pense. C'est trop calme, là. J'aime pas trop ça. Je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme. Okay, y a pas l'air d'avoir de clé, chat. Putain, fait chier. Ah, ok, je suis une merde. My bad. Ok. Là, y a pas assez de bruit, ça me fait peur. Tu montres quoi? Il est mignon un peu. Ok, je le suis. Ok, il fout un peu la merde. C'est quoi le jeu là? Je comprends pas, chat. Bah je fais quoi là? Bah je suis bloqué mon ref. Ah merde. Alors attends, il nous faut le code du truc. Mais il faut vraiment que je fasse le truc là. 2 4 8. C'est ça genre? 2 4 8. Ou pas du tout et j'ai suivi n'importe quoi? C'est sûr que j'ai fait de la merde, chat, hein. Ok. C'est bien ça, là. 4. Attends. 4. 5. Merde, attends, pourquoi je tombe pas sur les mêmes trucs que tout à l'heure? 4, 5, 8. Attends, j'ai peut-être mal suivi tout à l'heure, en fait. Non? Ah non, en fait c'est un chapitre sur les rats, donc peut-être il faut que je prenne juste les trucs en rapport avec les rats. Attends. Hop, donc 6. 8. 7. Vas-y, je vais tester. Let's go, ok. Je suis trop malin en fait. Je suis un genre de vrai petit génie. Prévisible. Ok, je suis bloqué. Ok, c'était pas si prévisible. En fait, je pensais que je pouvais passer. Ah. Ok.
Salut. Je vais venir. À en juger le silence dans toute la maison, je pense qu'il s'est enfin endormi. Sans doute entouré de bouteilles vides et de lambeaux de toile, ses compagnons de couche préférée. Chaque fois que cela arrive, je prie pour que ce soit la dernière. Je prie avec ferveur, avec passion. Seigneur, qui êtes aux cieux, faites qu'il s'ouvre le crâne et que la pourriture en sorte. Faites qu'il s'ouvre les veines sur le verre et que la bile rouge en coule. Faites qu'il s'étouffe dans son vomi, qu'on puisse enfin trouver la paix, car sinon, je vais finir par trouver le courage de descendre les escaliers et le faire moi-même. Vous savez mieux que quiconque que ce n'est pas l'envie qui manque. Amen. Petite prière tranquille en tout cas. On prie pour les bonnes choses, hein. Ok. J'ai pas peur. Rien ne va faire peur là. Là normalement c'est tranquille. Là je peux passer. Comme si rien n'était, il va y avoir un petit truc qui va tomber du ciel, un petit rat qui va passer en courant. Rien de terrible. Hop là, putain, c'est oppressant sa mère. Hop voilà, trop fort. Je regarde même pas ce qui se passe. Fucking mutt won't shut up. Ok. I can do that. Une muselière. See? But can you paint? Ok. No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Merci Shadow. Attends, c'est le moment de faire la petite musique du coup là pour c'est un sub de niveau 2. Let's go. Ça va me détendre un peu. C'est focus. Ça va devenir une pièce. Ok. Oh. Ah. 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 Ok, ok. Ok. Cécile, je viens de lire ton message et sache que j'ai mal à ma France. Ok. Ok, y'a rien. Ok, je me casse. Je speedrun, les gars. Oh ta mère la pute! Ta grosse mère la pute, j'ai cru crever là! Mes yeux, je les ai sentis faire un tour à l'intérieur et tout. J'ai vu mon cerveau. Oh là là. Ta
Attends, il y a un truc à ramasser là. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Ok, c'est les médicaments de papa en parlant du whisky. C'est pas bon signe ça, je pense. No, don't touch that. Oh god. I'm so... Wait. I'm sorry. Ok, je crois que j'étais pas un père exemplaire, les gars. Regarde pas derrière toi. Ok. Je regarde pas. À tous les coups, je me retourne, il y a un screamer là. Donc je vais bien écouter ce qu'il y a marqué. Regarde, hop, succès déverrouillé, instinct de préservation de soi parce que je me suis pas retourné. Hop là. Un peu de douleur fait des miracles. C'est quoi ce bordel là? Mais mec, je fais quoi là? Ça m'oppresse et y'a rien genre. Y'a rien, chat. J'ai juste peur. Je peux pas activer l'engrenage, genre? Je comprends pas. Bah... Je comprends pas. Les gars, quelqu'un a une... Ah! Ok. Oh, sa mère la pute. Ah, je sais pas, elle m'a tiré cette boîte, j'ai l'impression qu'elle allait avoir un truc dedans. Ok. Les gars, je vais aller remplir ma gourde d'eau. Pendant ce temps, je vous laisse là, face à cette porte. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le chat, vous avez carte blanche. C'est votre chat, c'est votre moment là. Vous avez carte blanche. Les modos, ils peuvent même pas vous ban, rien. Sauf si vous dites des dingueries évidemment, mais là vous avez une carte blanche. J'arrive. Arrêtez de péter dans le chat, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de prouter, il pue, ça pue. Ça pue ce chat. Ah. Oh là là, l'odeur. Pff, ça pue les gars. Arrêtez de péter dans mon chat. Stop. Arrêtez de péter. Je suis revenu. Je suis revenu, vous avez pas le droit, vous devez arrêter. Arrêtez. Stop. Arrêtez, sinon Focus il doit offrir 5 subs si ça arrête pas. Il va devoir offrir 10 subs. Vos mères, arrêtez, j'ai été sûr et certain. The clock struck one. Horde ran down. Hickory, Dickory, Dock. Ok. Je suis vraiment... j'ai un problème, hein. Mon perso, il est pas yamb. C'est pas la joie, là. C'est pas la forme. Rien d'intéressant. Je peux peut-être repartir.
Ok. C'est quoi cette merde? Je comprends pas ce que c'est. C'est pas des frites. C'est un bébé qui fait un piano là. Merci Focus. Merci pour les 5 subs offerts. Oh, arrêtez, sinon tous les gens qui sont sur live, ils doivent offrir 5 subs. Ça a l'air de marcher. Arrêtez. Merci mon Focus, c'est gentil. Merci mille fois. Bienvenue aux 5 nouveaux du coup. Bienvenue à Chali, à Moshi, à Depi, Octopilou et Luclu. Merci mille fois. Oh, t'es mal à la taille du pigeon. Arrête Nina, arrête. Arrêtez tout, sinon Nina elle doit offrir 5 subs pour se faire pardonner de s'être moquée. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, il y a marqué même si tu es ma rivale, j'ai lu même si tu me ravales. The only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Ok, ok, ok. Merci Chris. Merci beaucoup. Ah, ça vient de s'ouvrir là, c'est pas... J'aime pas. Je vais avoir peur, je le sais d'avance. Hop. J'y vais. J'y vais, tu fais quoi? Te donner du courage, cœur vert. Ok, j'ai pris mon courage à deux mains et ça m'a repoussé, j'avais même pas le droit d'aller voir. Qu'est-ce qu'elle faisait ma femme? Oh. C'est où? Je sais pas où c'est. Merci Nina. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Bonne nuit aussi. Merci beaucoup Nina. C'est où que ça sonne? Je comprends pas. C'est là genre. Ah. Bonjour, signe de la main. Tu es ma découverte de ces dernières années. Merci pour ta bonne humeur, visage souriant. Merci Skull Monkey, ça fait plaisir. Merci énormément. C'est toi ma découverte. C'est toi. Merci Yoshi, qu'enfin somme aussi, à pas de bol. Merci mille fois. Talk to me. Why won't you talk to me? Un petit poisson, c'est mieux que rien. Pourquoi tu ne parles pas? Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Comme numéro, il doit avoir un numéro quelque part. Un truc, non? Merci Focus, merci Nonox. Mais il vous arrive quoi à tous? Merci, merci mille fois. Merci bande de fous. Les gars, je fais quoi là? Pourquoi il n'y a pas de numéro? Oh. Oh. Merci Yoshi. Yoshi, on n'en parle pas assez, mais elle arrive sur les 200 subs offerts. Hein. Certaines peintures sont au-delà de tout mot. Et encore plus de la critique. Merci Nonox, merci Pro Tartar Sauce. Mais merci, mais qu'est-ce qui se passe? Merci mille fois. Sont au-delà de tout mot et encore plus de la critique. Une connaissance basique du sujet est obligatoire si l'on veut ne serait-ce que tenter de les comprendre. Babyface est une de ses peintures. Cette anomalie artistique attire des dizaines de milliers d'amateurs. Mais what the fuck? Merci Lolo, merci beaucoup. Merci Arca Phoenix. Merci Ico. Calmez-vous. Merci beaucoup. Merci énormément. Attire des dizaines de milliers de spectateurs. En vérité, elle ressemble à ce qu'auraient fait des peintres instables pendant un week-end marathon artistique enfermé dans une cave. La peinture excelle de laideur, sans parler de l'horrible technique. Ok. Mon petit délire. Merci Yoshi, merci beaucoup. J'ai plus rien sur mon compte, mais il me reste des beats. Nina, arrête! Arrête, garde tes sous si vous avez rien sur votre compte. Putain, c'est pas possible. Je dois vous raisonner, je suis la voix de la raison. Arrêtez de dépenser vos sous pour moi, les gars. Je suis bien dans ma vie, genre je suis super... Ah, j'avais pas vu. 363. Je suis super bien dans ma vie, j'ai pas besoin d'argent. Enfin, après, si tout le monde arrête de soutenir, là, j'aurais besoin d'argent. Donc, arrêtez pas de soutenir pour autant. Mais genre, si vous pouvez pas vous permettre, surtout, le faites pas. Faites-le que si vous pouvez et que ça vous fait plaisir. Sinon, c'est pas pour rien que tout le contenu est gratuit. C'était quoi déjà? Merde. Un petit poisson, c'est mieux que rien. 363, c'est ça? 363. C'est pas comme ça que ça marche? Un petit poisson, c'est mieux que rien. Ça peut être comme ça. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Un petit...
petit poisson, c'est mieux que rien. Focus. Je sais pas pourquoi. Je sens que tu vas m'envoyer vers un truc... une musique. Fais-moi confiance, clique là-dessus et continue de jouer. Non, non, arrête. Arrête avec ça, Focus. Arrête. Arrête. Focus, tu te rends compte? Ce qui se passe? Là, je vais me faire ban def. Je vais me faire ban def de tout YouTube après. Si je mets ta musique. Mais vas-y, il se passe quoi avec cette sonnette? Je vais me choper les droits d'auteur sur ma VOD. Arnaud, s'il te plaît. Mais non, non, non. Je vais me faire droit d'autoriser sur la VOD, les gars. Mais putain, il est où le téléphone? Mais... Oh, oh bah c'est pas de bol. What the fuck, comment c'est stylé? Pas grave, t'as pas besoin d'argent. Mais oui, mais si tu te fais droit d'autoriser trois fois, après ta chaîne elle est poubelle. T'as le droit qu'à 3 strikes. Donc je préfère éviter de me faire strike. Bébé? Il est fichu. De toute façon, je peux partir? Ok, non. Les gars, dites-moi où est le téléphone, je comprends pas. Oh, je peux pas sauter. Ah si. Merde. Je vais voir si je pouvais tomber et oui. Ça se trouve, fallait que je me jette, hein, comme le bébé. Lipwitch, tes modos t'offrent une montagne de subs. Et tu ne peux pas leur mettre une musique qui leur feront plaisir? Ils méritent mieux. Putain. Twitch, t'as raison, mais je vais me faire striker. Ok, je sais ce que je vais faire en fait. Je la mettrai avant de couper le live. Voilà, ma décision est prise, chat. Je la mettrai avant de couper le live pour qu'on se remonte le moral. Ma décision est prise. Comme ça, je ne casse pas l'ambiance du jeu d'horreur et de la VOD. Mais je vous mettrai bien avant de partir pour être de bonne humeur. Ouais, ouais, focus, t'as ma parole, je ne vous arnaquerai pas. Je mettrai la musique. Mais... En tout cas, je cachais de l'alcool partout, hein. Y'a rien. Mais attends, mais what the fuck, il se passe quoi? Pourquoi on fait ça en boucle? Bah le papier, mais on l'a lu tout à l'heure. On l'a lu tout à l'heure, le papier, c'est l'article sur le... truc. Ah ok, en fait, c'est vu qu'on est mort, ça nous a remis là. Ah bah non, mais c'est même pas le même truc. Ok. You promise. Mais j'ai promis quoi? Y'a rien. What the fuck? Huit, cinq, trois.
Bah. Je la refasse tomber. Les gars, c'est tellement bien fait, putain. Ça ne résout rien, ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Merci la flûte. Va faire tout noir. Ta gueule. Oh, bonjour monsieur. Ok, il y a une lampe qui est tombée. Oh, 5-4. Bonne nuit, Tipac. What the... Mais les gars, c'est vraiment trop stylé par contre, hein. Lâcher. Je crois que je suis dans la merde, les gars. Ok. Putain, j'ai fait de la merde ou c'était fait exprès? Non, ça avait l'air d'être fait exprès. Quelqu'un a arraché le code. Ah putain, j'avais pas eu le téléphone. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Tu le mérites dans sa totalité. Merci à la store, je merci beaucoup. Par là. Merci Minox. Bah n'hésite pas à repasser, hein, ça fait plaisir. Merci beaucoup à la store, c'est adorable. Putain, encore un truc qu'ils font. I needed something to add the... How should I put it? Final touches. Ah, j'ai peint avec son wad. Finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? J'ai un vrai problème, hein. J'ai un vrai trouble. Merci mon focus pour les bits. Merci beaucoup. Ok, donc là on va aller le mettre dans la pièce bizarre. Ah, c'était sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous espérons, à mon nom et au nom de toute la compagnie, que pour le moment vous passez une belle soirée. Sachez que votre streamer préféré, Lenka, est en train de se chier dessus. Le train de live partira dans 7 minutes, donc profitez-en. Dans 4 minutes 25, pardon, autant pour moi. Pas l'habitude qu'on ait de l'avance par ici, bref. La belle journée à tous, la belle soirée. Profitez bien, n'hésitez pas à vous donner la main si vous avez peur dans le train. La belle journée, à très vite. Bye bye. Ok, comment ça va évoluer? Je vous jure, ça se transforme en ma femme petit à petit, c'est bon, c'est obvious. C'est sûr. Waouh. Putain, elle avait l'air belle ma femme. Enfin, si on fait abstraction de là, et qu'on imagine un peu, je pense que c'est une belle femme. Bref. Apprendre par l'erreur. Merci Léo, merci beaucoup pour les bits, c'est gentil. Merci pour le soutien. Les gars, celui-là, chapitre, je le speedrun. Je vais le speedrun, regardez bien. Ça a ouvert un passage. Il y a un truc enfermé, il fait tout noir. Sa mère, on voit rien du tout. Je vais trouver une clé. J'ai envie de le speedrun et de pas avoir peur. J'ai décidé de pas avoir peur.
Il était une fois un homme plein de passion. Puis pour sa femme, il finit par manquer d'attention. Elle avait l'allure désordonnée, mais aucun regard ne fut échangé. Cet homme, elle le haïssait avec passion. Ok, putain. C'était ça l'ambiance dans le couple, hein. Ah ! C'est moche ! What the fuck, mec ? Ok. Oh, ok. Il manquait plus que ça, là. Faut que j'aille au milieu et que je me fasse enfermer par les tableaux. Je le sens. Ok, peut-être pas. What the fuck? Le bruit est horrible. Chérie, chérie, tu vas me faire sursauter, j'ai pas peur. Voilà, c'est bon. Je le savais. Ok, bon délire. Je regarde pas, j'ai trop peur. Je sais que j'aurai peur. Wow, c'est trop beau. C'est tellement beau. Non mais les gars, le jeu est incroyable par contre, hein. Vraiment, faut en parler, c'est une merveille, hein. Salut mon pote. Je sais même pas comment je fais pour jouer à ça. Bah c'est vraiment parce que vous êtes là, hein. Je le ferai pas sans vous. Sa mère. Oh, ça m'a fait peur. Oh, bordel de merde. Merci Léo. Merci beaucoup pour les 100 bits. Oh. Yes. Y'a pas de questions. Je dis ça. Je peux pas effacer. Je peux pas effacer le Ouija. Ah si. Putain. Fais chier. C'est pas ça. Il faut trouver le truc à écrire. Oh là là. Qu'est-ce que ça peut être? Merci Tefal, merci beaucoup pour le Prime. Je trace. J'ai envie de speedrun, je vous jure, j'ai trop peur. Merci KT, merci beaucoup pour le Prime. Merci mille fois chat. Tellement de soutien ce soir encore, c'est incroyable. Chaque live que je fais, c'est une dinguerie en ce moment. À chaque fois je me dis, et que je finis un live, je me dis putain, j'ai vraiment trop de choses. Ah, le fameux couteau. Franchement, je te respecte, j'aurais jamais joué à ce jeu seul sans personne autour. T'as tout mon respect, merci, merci. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is. Oh god, no! No, 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 what have you done? No! En
fait, elle s'est suicidée. Attends. Elle s'est suicidée dans son bain, genre? J'ai peur d'avoir trop de sang ou quoi? Faut que je mette la tête dedans. Wow. Les gars, c'est trop stylé, vraiment, par contre, hein. Chérie, ça va? Merci pour Patatoz! Merci beaucoup pour les 25 mois! Comment ça va, mon vieux? Merci beaucoup pour le soutien. Toujours là, lui, hein. Merci. Ok. Mais du coup, y'a rien. Enfin, j'ai rien découvert, quoi. Y'a R. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. Ah. Il faut que... je remplisse pour nettoyer le couteau, je sais pas. Je vais laisser comme ça, on va voir. Mais j'ai pas l'impression que... que le sang parte. Tu sais, on voit des trucs comme ça, mais ça... ça change rien, quoi. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais que j'ai pas vu? Je comprends pratiquement rien. Des subs et des bits, quelqu'un peut m'expliquer. Les subs, en gros, c'est tu dépenses 4 euros par mois et tu débloques les émoticônes de la chaîne, t'as accès à toutes les vidéos qu'on a déjà faites et tout ça. Et ça te permet de me soutenir aussi, c'est le plus important, on va dire, c'est ce qui fait que je peux vivre aujourd'hui au-delà des partenariats, des trucs comme ça. Même si, comme je disais tout à l'heure, je suis pas dans le besoin. Et les bits, c'est un système de donation. 100 bits égale 1 euro à peu près. Enfin, moi, je touche 1 euro sur, quand vous donnez 100 bits. Et puis après, de ça, il y a Twitch qui prend sa part, l'État qui prend sa part, etc. Mais dans l'idée, c'est ça. Enfin, quoi, la part de Twitch est peut-être déjà prise sur 100 bits, je sais pas. Je crois que c'est déjà pris. Merci mademoiselle pour ce beau faire un prout ninja. Le plus rentable pour toi, les bits ou les subs? Aucune idée. Je sais pas du tout. Je pense les. Enfin, ça dépend combien tu donnes de bits en fait. Si tu donnes 1000 bits, c'est plus rentable qu'un sub. c'est sûr. Mais peu m'importe en vrai. Moi, je vise plus les subs que les bits parce que c'est le fait que ça soit répété qui est intéressant pour le streamer. Tu sais que ta commu elle est là et qu'elle te suit tous les mois et du coup ça te fait une rentrée d'argent régulière, on va dire. Et non, c'est pareil, Nonox, les primes, ça change rien. Mais mec, il... Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. Ah, il a pris un œil juste pour qu'elle regarde le tableau. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Putain, et mon perso, il est ravagé, vraiment, c'est abusé, hein. Ok. Bah du coup, attends, je dois pouvoir partir, là. Je dois pouvoir partir, et voilà, c'est ce que j'allais dire, je vais retomber dans la salle. Ah. Ah merde. Je voulais partir, moi. Mon ref. Ok, je suis Keblo. Il va se passer un truc, je peux interagir avec rien. Oh putain, clic droit pour zoomer. Je viens de capter. Ouais, le perso est trop glauque. En vrai, l'ambiance du jeu est trop bien faite. C'est abusé. Et les musiques aussi sont incroyables.
je retrouve genre plusieurs pièces. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ok, non, c'est bon. Il n'y avait que deux à trouver. Salut, raton! A plus, pomme, pas de soucis. Tellement fort le son du jeu, ça fait si peur. Allez, c'est bon mon ref là. Pourquoi je peux interagir avec rien? C'est trop chiant. Oh. What the fuck, c'était trop. Mais mec, les transitions sont incroyables vraiment. Ok. Je crois que je pouvais rien faire. Enfin, je crois. Ça y était pas, ça, avant, si? Je sais pas trop. J'ai un doute. Mais je sais pas quoi faire, là. Y'a quelqu'un sait ce qu'il faut que je fasse ou pas? Je vois rien là. Faut peut-être juste attendre, mais je vois absolument rien avec quoi je. Reste où ça tourne? Là? Attends, je tourne tout seul là. C'est pas moi qui touche. Bonne nuit létale, bonne nuit, bonne nuit. Je vais pas tarder à couper moi, chat. Je pense couper vers minuit. La cam elle bouge toute seule, mais. Mais il se passe rien. Ça bouge tout seul. Je comprends pas. What the fuck? Mais attends, ça bouge tout seul parce que je suis sur le truc qui tourne, non? C'est pas fait exprès. C'est bon, les backseat, ouais, je comprends pas là, ce qu'il faut faire. Je veux bien savoir. Mais je crois que ça tourne juste parce que je suis posé dessus et que c'est bugué. Oh là là. Attends, mais il y a un bug là, non? J'ai cassé le jeu. Ça tourne tout seul, là, chat. Arrête, j'ai tourné. C'est pas moi, c'est pas moi. Les peluches. Qu'est-ce qu'elles ont, les peluches? C'est horrible que ça tourne comme ça, là. C'est à cause de ça? Oui, c'est normal. Putain, personne backseat alors qu'on demande du backseat. Il faut que je fasse quoi, chat, s'il vous plaît? Je comprends pas. Il se passe rien, je suis bloqué, je peux rien faire. Je peux. Oh, oh. Ok, j'ai trouvé un truc. Merci, Thomas. Boulin Calva.
puisse arrêter de tourner. Putain, c'est quoi cette merde? Oh non, ça retourne. Oh! Ok. Mais mec, c'est quoi ce bordel? Il se passe quoi là? J'en peux plus de la cam qui tourne. C'est horrible, chat. Mais mec, je comprends pas comment je peux sortir de cette merde. Extrait du dernier album de Naps en exclusivité. Les gars, comment je sors de cette merde, s'il vous plaît, dites-moi. Je veux en finir avec ce truc qui tourne partout, ça me rend fou. En fait, je vois rien avec quoi interagir, c'est trop frustrant, putain. Mais... Ok, bon. Ok. La trinité des bébés. Putain, j'ai cru qu'il y avait un truc qui se lançait, mais y'a rien. C'est tellement fort, chat. Tellement, tellement fort. Mais on comprend rien à ce qui se passe, là. On comprend vraiment que dalle. Je reprends mon tapis de souris, c'est bon. Je sens que ça va mieux là. Je suis prêt à ne pas l'abîmer. Est-ce qu'il y a un nouveau truc? Oui, des escaliers. Allez, laissez-moi partir d'ici, putain, j'en peux plus. Ça fait rien. Mais attendez, je peux pas partir là? Genre, ça sert à quoi ce que je viens de trouver? J'ai envie de partir d'ici. Ouais, il y a tellement de screamer audio, c'est abusé. Mais le jeu est... En vrai, le jeu est trop fort. Mais what? J'ai baissé tout à l'heure. J'avais baissé exprès, justement. Parce que c'était très fort. Mais attends, mais par contre... Genre, vraiment, j'ai pris le jeton, là. Un arbre qui a poussé au milieu. Qu'as-tu à y gagner? Ok. Ok, petite ambiance. Je vois rien avec quoi interagir, c'est trop frustrant, chat. Si quelqu'un a une idée là pour ce passage, les gars, vous avez le droit de me dire, parce qu'en vrai ça me fait péter les plombs de rien pouvoir faire. C'est trop lent là. Je comprends pas. Sous l'escalier. Ah oui, putain. Ah oui, nice, merci chat. Oh, bah j'arrive pas à refermer.
Je l'ai pris ou pas? Ça tourne à fond là, putain de merde. Ça doit être bon. Ok. Je sais pas si c'est un bug la caméra qui tourne ou si c'est dans le jeu. Franchement, ça... Enfin, ça a l'air d'être dans le jeu vu que ça s'arrête à tout moment, enfin à chaque fois que je ramasse un jeton. Mais ça ajoute rien, c'est juste chiant. Ok. Allez, on va s'en sortir cette merde. C'est ça la nouvelle pièce? Je crois. Ça y était avant ça ou pas? J'ai un doute. Mec, là, c'est vraiment le bordel, là. Non, mais ça, c'est le truc de tout à l'heure. Il y avait la musique, non? J'ai un doute. Mec, il est tellement chiant, ce passage. C'est horrible. C'est super lent et tout. C'est vraiment, vraiment chiant. Dernière ligne droite, tu es presque, on croit en toi. Les chats, je m'impatiente là. Genre vraiment, je trouve le passage hyper soporifique. Faut que je trouve un jeton encore. Trop chiant. Monte dans les escaliers, j'ai fait déjà. Attends, ça, il y avait pas tout à l'heure. Ok, le poids, c'est pour la balance. Allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est bon, mon ref, j'en peux plus, là. Putain. Ouvre les rideaux de la douche. Bah, je pouvais pas, tout à l'heure, je pouvais pas y toucher. Je peux toujours pas. Ok, yes. Oh, putain! Cuisine, c'est bon, on a vu, on a fait. Là, on est Keblo. Ok, on peut rien faire. J'ai ouvert toute la cuisine. Ça, il y a air, ça, on a récupéré. Sa mère, la pute, j'en peux plus, les gars. Ils abusent, c'est long. Ouais, vraiment, c'est horrible le passage là. Genre le passage est pas du tout fun et il est juste long et chiant. Vraiment si vous avez les... Ok c'était là je pense. C'est fini? Non putain c'est pas fini, bordel de merde. Les gars si vous savez comment faire pour en finir avec ce passage, n'hésitez pas à me dire, vraiment c'est juste chiant là, ça m'amuse pas. Ah alors peut-être? Les passages comme ça dans les jeux, ça gâche tout. Ouais, vraiment, là, c'est juste chiant, là. Allez, putain! Sortez-moi de cette merde! On n'en peut plus. Alors peut-être. Oui.
Oh, bordel de merde! Oui! Montrez-moi ma femme, vite! J'en peux plus! Waouh, elle est belle. Elle est de toute beauté. Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. Oh, so close. This time. J'ai peur d'avoir peur. I almost had it. Ah putain, je suis dans une boucle en fait. J'y arrive pas du tout. A plus pour Ninja, merci beaucoup. Merci encore pour ton sub. Oh non, c'est le début. Oh shit. Here we go again. Chat, il reste combien de temps de jeu, vous pensez? Là, je suis dans la réalité, là. Pas beaucoup, je pense aussi. Hein. Et là, en gros, c'est l'état vraiment de ma baraque, en fait. Quand je suis pas dans mon rêve, ça marche pas. Tout est flingué. Attends, je vais à la porte d'entrée ou au bureau. Je pense que c'est ça. Et ouais, c'est ça. Ma maison, en fait, elle est pétée. Tout est explosé. Mon bureau est toujours fermé. Je peux pas sortir. Je suis enfermé. Monsieur, ceci est un rappel concernant votre retard de paiement du 26 janvier cette année. 6 juin, un relevé de votre compte à titre d'information. Votre commande a donc été suspendue. Veuillez régler la somme due dans les 7 jours. Si vous ne pouvez pas payer la totalité, merci de nous contacter pour établir un plan de remboursement acceptable pour les deux parties. Sans nouvelles de votre part, nous verrons forcer d'entamer des poursuites judiciaires. En vous remerciant, Ronald Wilkins. Ok. En fait, ma maison, elle est sous scellée. Après le crime, je pense. Enfin, il y a un truc, c'est bizarre. Oh non, ça retourne. Putain. Putain, pourquoi ils ont mis cet effet qui tourne? C'est un enfer, les gars. Les gars, pourquoi ça tourne? J'en peux plus. C'est un bug ou pas? C'est horrible. Où est-ce qu'elle était, la clé du bureau, au début? Je me rappelle plus. Oh, les gars, c'est horrible de devoir compenser le... la façon dont ça tourne et tout. Oh. Ça tourne plus? Les gars, je crois que ma souris vibre. Je crois que j'ai niqué ma souris, en fait. Je crois que j'ai niqué ma souris en la jetant tout à l'heure. J'ai flingué ma souris. Oh non, putain, en fait, je suis en train de sentir. Il y a une vibration dans ma souris. Je l'ai niqué tout à l'heure en la jetant. C'est pas un bug du jeu. T'as jeté la souris? Ouais, j'ai sursauté, je l'étais.
Ah non, vous êtes en train de me dire que le jeu là, il m'a coûté, il va me coûter une souris à 150 balles là. Je suis pas, ça me rend pas très heureux. Et ouais, je sens une vibration dedans, putain. Ok, ça vibre plus. Ça vibre plus. J'ai soigné le mal par le mal. Ok, non, ça vibre un peu parfois. Putain, fais chier. Et là, y a rien. Retour case départ. Par contre, y a pas d'alcool, y a que dalle, je comprends pas. Oh. Et c'est le retour au début. Et en fait, c'est une boucle. On est un fou dans une boucle. Putain. Alors, je mets un 8 sur 10, je pense. Parce que la dernière partie du truc était trop nulle. Si sans la dernière partie, j'aurais pu mettre un solide 8, 8,5, voire 9. Mais parce que je trouve que l'ambiance est géniale, on comprend la boucle et tout machin. Je vais mettre la musique focus, pas de panique. Mais assez déçu du tout petit passage de fin, qui était vraiment dommage, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'on passe à côté du jeu. Enfin, pas à côté du jeu, mais on tourne en rond, genre, c'est gênant. Ça en est gênant, je trouve. Bref. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé le live. Merci du fond du cul pour tout le soutien, c'est incroyable. 116 subs en stream, c'est nimp en ce moment. Pour vous remonter le moral et vous rendre heureux, j'ai pris une décision. Je vais mettre Aka à Léo avant de couper le stream. J'espère que vous en profiterez bien. Merci à tous d'avoir suivi. Merci une fois de plus pour le soutien et merci au modo d'avoir modéré. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt pour le prochain live, à savoir demain sûrement. Ciao, ciao!